Oh, si tu mets pas un like et en plus tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je viens personnellement chez toi supprimer ton compte Fortnite. Ah, et on n'oublie pas, code créateur Stizo dans la boutique. Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le smile, encore une fois. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, on va faire une vidéo FAQ, ça fait longtemps. En plus, il y a eu pas mal d'évolutions, que ce soit sur la chaîne ou moi personnellement. Donc, vous m'avez posé des questions, que ce soit sur Twitter ou sur Insta, vous avez été nombreux. Merci à tous. Et je pense on refera une prochaine édition bientôt. Là, j'ai sélectionné 15 questions, donc 7-8 à peu près de Twitter et le reste qui vient de Insta. Ceux qui ne me suivent pas au passage sur les réseaux sociaux, vous regardez dans la description, vous avez Twitter, Insta, TikTok, Snap, etc. N'hésitez pas à aller claquer un petit follow, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me soutient. Sur ce, on passe à la vidéo. Allez, let's go. Donc, première question, c'est parti. Donc, je vais éviter de lire à chaque fois les prénoms, les pseudos. Vous allez vous reconnaître si vous passez dedans. Et puis, voilà. Donc, première question. À quand un live avec ta copine ou les darons? Alors, j'en avais déjà parlé en stream ou même déjà, je crois, en vidéo. Avec ma copine, ça risque de se faire, mais pas tout de suite, en tout cas, pas dans les jours qui suivent. Ça se trouve, ça va être peut-être pour un sub goal ou pour un live complètement différent, peut-être sur du Fall Guys, parce qu'elle aime bien jouer à Fall Guys, ou j'en sais rien, on verra, ça va être la surprise. Vous verrez, de toute façon, je vous préviendrai. Et avec les darons, c'est pas prévu. Même s'ils suivent ce que je fais un peu, je sais pas. Genre, je pense pas, tu vois, les mettre devant la caméra. Pas pour le moment. Peut-être pour un clip comme Michou, mais... why not? On sait pas. On verra tout ça. Deuxième question. Ouais, question de Phoenix. Là, Phoenix, je le connais depuis très longtemps. Ceux qui le suivent pas, les gars, c'était pas clairement Phoenix Gaming. Ça fait 4-5 ans que je le connais. Il fait du Minecraft et même un peu de multigaming carrément. Donc, ceux qui veulent aller follow, n'hésitez pas. C'est une personne clairement adorable, extraordinaire. Et il vit de sa passion, ça se voit. Bref, sur ce, comptes-tu rester pendant longtemps sur Fortnite ou comptes-tu plus tard te diversifier un jour, surtout qu'avec ton nouveau PC, je pense que les possibilités sont plus grandes. Alors clairement oui, c'est prévu. Donc déjà pour le moment je reste sur Fortnite parce que c'est le jeu moi qui me fait kiffer et je prends toujours autant de plaisir et je pense que ça se voit en stream, je peux taper toujours des barres, je suis toujours un petit peu tryhard avec les compètes etc. Surtout que j'ai mon nouveau PC donc clairement ça m'aide encore plus de jouer à Fortnite. Donc forcément oui, vous inquiétez pas, il y aura toujours du contenu Fortnite, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Peut-être par la suite quand le jeu va perdre sa hype ou bien moi carrément qui trouve que le jeu est moins intéressant, je jouerai un petit peu moins Fortnite et peut-être je partirai sur un autre jeu où il y aura une autre hype de ouf et qui me plaît et qui plaît à tout le monde. Et voilà, donc ça seul l'avenir nous dira comment Fortnite va évoluer, s'il y a d'autres jeux qui vont arriver etc. Mais en tout cas oui, je pense que ça va être prévu, on va commencer à se diversifier dans les temps qui suivent. Troisième question, donc là c'est est-ce que tes parents sont fiers de ton travail et de toi? Alors, juste pour la fin, et de toi, bah, je pense que tous les parents sont fiers de leur gosse. Enfin, j'espère, pour vous en tout cas. Quoi que je fasse ou quoi que ce soit, bon, ils sont toujours fiers de moi. Mais en soi, enfin, j'aime pas le mot travail de ce que je fais. C'est pas un travail, je suis encore en études, etc. On en reparlera après, les gars. Je suis encore en études, mais de ce que je fais avec Twitch, etc., j'en avais déjà parlé aussi pareil sur mes streams. C'est qu'au début, c'était très, 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 très compliqué par rapport à ça de gérer que ce soit les cours ou bien Twitch et YouTube. Forcément, ils s'y connaissent pas trop là-dessus, donc. Bah au début tu passes beaucoup de temps, tu fais beaucoup de sacrifices ouais j'ai plus parlé en fait de sacrifices, putain merde c'est de la merde. Et au final ils ont commencé à accepter quand voilà, quand j'ai commencé un petit peu à monter, à avoir je sais pas 3000, 4000, 5000 abonnés, ça commençait à faire beaucoup, ils commençaient à comprendre, je leur expliquais. Et surtout bah forcément comme tout parent, comme tout adulte qui connaissent pas ce milieu là, quand tu leur dis bah voilà je me fais 100 euros par ci, 100 euros par là, forcément ça joue un petit peu, donc ils sont un peu plus cool. Mais ils mettaient une petite pression quand même sur les cours. Le but c'est voilà, le deal c'est que je fasse les cours, enfin que j'arrive à suivre les cours et que je continue Twitch. Enfin, bref, vous avez compris quoi. Donc pareil les gars, si vous voulez vous lancer là-dedans, arrêtez pas tout, même si vous avez votre bac. Essayez de finir vos études et après vous verrez ce que vous faites. Et là, on s'en est. Est-ce que tu comptes rejoindre une team et comptes-tu t'investir un peu plus sur YouTube, genre faire plus de vidéos? Hashtag la calvitie de Stizo VIP. Ah là là, en plus c'est des viewers actifs, c'est beau, c'est beau. Donc, est-ce que je compte rejoindre une team? Oui, c'est en discussion avec quelques teams, je vous en dis pas plus, mais c'est en discussion les frérots. Après c'est qu'une question de temps et
tout contrat, etc. Donc ça, là-dessus, bah, ça prend du temps, voilà, clairement. Donc, faut être patient, mais voilà, bientôt, vous allez peut-être avoir une annonce. Je dis bientôt, ça se trouve, ça va être dans 2 mois, 3 mois, dans 4 mois, comme dans 3 semaines. J'en sais rien. Donc, on verra ça, en tout cas, en temps et en heure. Et est-ce que je compte m'investir un petit peu plus sur YouTube ? Oui, ça, c'est prévu, surtout avec les cours, clairement. Avec les cours que j'ai, etc. et l'emploi du temps, ça me permet aussi de faire plus de vidéos YouTube. Les streams, je sais pas, parce que des fois j'ai des pauses de qu'une heure, etc. Moi, ça me permet de faire des vidéos YouTube. Donc en ce moment, je vais essayer de tenir un rythme, comme j'ai recruté un nouveau monteur. J'ai envie de faire coucou le monteur. Mais voilà, comme j'ai recruté un nouveau monteur, on va essayer d'être actif sur la chaîne en balle. Essayer de sortir 2, 3, voire 4 vidéos, je sais pas, ça dépend. Ça va dépendre de ce qu'il y a comme contenu, de ce qu'il y a en ce moment sur Fortnite, de ce que je peux faire et tout. Donc clairement, voilà, YouTube, c'est un petit peu, je fais un petit peu tout, voilà, que ce soit des vidéos réaction, des vidéos Fortnite, des vidéos, je sais pas, ça peut être des vlogs, des trucs comme ça. YouTube, c'est un petit peu, je fais tout, je reste un petit peu dans le gaming aussi, mais à voir si, par exemple, j'en sais rien, si je me fais recruter par une nouvelle structure, je vais dans leurs locaux, tu vois, je fais une vidéo en mode, je vous montre les locaux de ma nouvelle structure, ça peut être plein de trucs comme ça, donc on va pas se brider qu'à Fortnite, mais en tout cas, soon, beaucoup plus de vidéos sur YouTube, déjà, je trouve, là, on est déjà actif pas mal. Donc c'est pareil, ceux qui ne sont pas abonnés, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche, comme ça vous êtes alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Let's go. Alors question, là c'est le petit dilemme et c'est à vous aussi de me répondre dans les commentaires. Clairement, je compte sur vous, Twitch ou YouTube. J'aimerais savoir, car je te vois quand même assez actif sur les deux, pourquoi un tel et pas l'autre, sinon tu gères BG. Merci à toi, Tolan, tu gères. Merci à toi aussi d'être actif sur les réseaux sociaux. Du coup, Twitch ou YouTube. Alors tout simplement, je vais dire YouTube. Quand j'ai commencé il y a 3-4 ans, bah, j'allais dire YouTube. Et là, ça fait un an que j'ai repris. Et bah, je dis Twitch. Voilà, je vous explique pourquoi. Twitch, c'est juste l'interaction, c'est le direct. Et aussi, t'as pas de montage à faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, t'essaies de faire des vidéos YouTube, travailler, etc. Machin, tu passes beaucoup de temps sur le montage, sur tout ça. Et vraiment, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Twitch, ça prend du temps aussi. Mais il y a moins de montage. Enfin, il n'y a pas de montage à faire. C'est du direct. C'est interagir avec la communauté. C'est tu rigoles avec eux. Enfin, bref, tu peux tout faire. C'est différent. Moi, j'aime bien les deux. Je penche un petit peu plus sur Twitch. Parce que forcément, c'est là où j'ai, entre guillemets, décollé sur Twitch. Mais YouTube, ça reste quand même fun pour uniquement les vidéos. Donc pour moi, Twitch, c'est les streams. YouTube, c'est les vidéos. Mais je préfère un petit peu plus Twitch, les streams, et ce qui est normal. Mais même si YouTube, je kiffe autant. Donc à vous de me répondre dans les commentaires. Alors on passe directement sur les questions Instagram. Donc du coup, tu gagnes combien avec tes streams? Et là, j'ai eu je sais pas combien de questions là-dessus. Donc je la prends, je vais vous donner une fourchette, parce que bon, je suis pas non plus à dire mon salaire, c'est pas un salaire, mais je vous donne une petite fourchette, c'est entre 300 et 2000, voilà. Au moins comme ça, je suis large, ça peut être 301, comme ça peut être 1999, bon, je suis jamais monté à 1999, hein. Mais bon, voilà, je vous donne une fourchette, les gars, je gagne un petit peu avec Twitch, mais en soi, c'est grâce à vous aussi, clairement, si, voilà, j'ai mon nouveau PC, je peux refaire un petit peu mon setup, clairement, etc., je peux investir, voilà, pour faire des vidéos YouTube, avoir un monteur, et faire des projets comme des maps edit, etc. Donc aussi, bah voilà, c'est grâce à vous les frérots, donc je vous en remercie. Une autre question, très simple, très courte, as-tu le bac? Oui, j'ai eu le bac. Je pense que ça va rejoindre une question tout de suite après, vous allez voir. Mais oui, j'ai eu mon bac ES. Voilà. Ça te fait plaisir. Et donc voilà. Bon, sur ce, la vidéo, les potes, elle est terminée. Merci à toi si tu l'as regardé bah, jusqu'au bout, si t'es encore là. Merci mon frérot, ça fait super plaisir. Et sur ce, bah, on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux sociaux dans la description. Le petit commentaire, le petit like, le petit abonnement, tu connais. Sur ce, les gars, comme d'habitude, on se dit bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Stizo. Ciao.